Waouh! Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Astroban. En dessous de cette vidéo, tous abonnés si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Et si nous vous posions cette question de savoir, mes frères et sœurs, souhaitez-vous devenir célèbre ou une personne riche, immensément riche, ou une personne connue? Et si oui, et c'est pourquoi? Pourquoi vous voulez devenir riche? Pourquoi? Ah! Est-ce que c'est parce que ça vous permet d'avoir plusieurs avantages? Est-ce que c'est parce que vous aurez beaucoup de fans si vous êtes célèbre ou encore vous devenez une personne connue? Ah! Dans la vidéo précédente, on vous a dit que un homme riche, un homme qui est déjà célèbre, qui a déjà toutes ces choses, il a dit que franchement, la célébrité ou encore tous ces choses que nous voyons qui sont vraiment extraordinaires, ou encore toutes ces histoires que nous voyons qui nous ouvrent les yeux, qui font qu'on dit waouh, c'est extraordinaire, je vais devenir comme ceci. Toutes ces histoires, il dit que ce n'est pas une solution. Il dit que vous allez voir que si on vous laisse devenir célèbre, ne serait qu'un seul moment, vous allez vous en rendre compte qu'au final, ce n'est pas la solution à votre souci. Ah! L'argent et la richesse, toutes ces histoires, il dit que ce n'est pas la solution. Il est tenté de blaguer ou quoi? Bon, de toute façon, les images sont là, puisque nous sommes dans une vidéo analyse. Nous allons analyser la vie des personnes célèbres et voir ou encore essayer de comprendre pourquoi cet homme a dit ça. Nang's Reborn. Ok, regardez la première image. Une de toi, c'est parti. Wouh! Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement un homme connu. Pourquoi on dit qu'il est connu? C'est tout simplement parce que il y a plein de personnes derrière lui. Il me semble que c'est une personne célèbre. Waouh! Et regardez comment il a attrapé son portable. Qu'est-ce qu'on peut dire de là? On peut dire tout simplement dire que waouh! Il se prépare à faire un selfie, tirer une photo, à se prendre en photo avec tous ses fans sous l'effet du projecteur qui se trouve juste là. Ah, sérieux? Ça a l'air cool. Qui n'aimerait pas vivre comme lui? Qui n'aimerait pas avoir toutes ces histoires? Partout où tu vas, tu es reconnu. Tout le monde veut te prendre en photo. Voilà. Et on a l'impression que les gens sont contents de le voir. Les gens sont très contents de le voir. Waouh, c'est ça la vie des célébrités. Mais pourquoi cet homme dit-il que ce n'est pas la solution? Ah, pourquoi dis-tu que ce n'est pas la solution? Mais pourquoi? S'il dit que ce n'est pas la solution, assurément c'est qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière cette histoire que nous essaierons de découvrir à la fin de cette vidéo. Regardez la prochaine image. Wouh! Encore une autre image extraordinaire. On voit encore un autre homme, une autre personne, qui cette fois est en train de se prendre en photo avec ses admirateurs, tout simplement. Il a l'air joyeux. Mais pourquoi il a l'air joyeux? Or, on nous dit que ce n'est pas toujours la solution. Ou encore que ces personnes peuvent se présenter comme des personnes avec l'air joyeuses. Or, à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre. Je ne comprends pas comment c'est possible. Mais regardez. Aucun signe d'angoisse ou de quoi que ce soit. La prochaine image, regardez encore ici. Est-ce que vous voyez autre chose? Mais bien sûr que non. Il est tout simplement content. Et voilà, il sourit même. Prenez-moi en photo. Wouh, cac, clic. C'est extraordinaire. Et nous voulons tous devenir célèbres. Et quand on parle de célébrité ou encore de personnes les personnes qui ont l'argent, voici ce que ces personnes peuvent s'offrir. Tout simplement, de belles voitures. Regardez. Elle est riche. Son mari aussi a de l'argent. Et les deux sortent tranquillement. Et quand les deux sortent, voici comment ils s'habillent.
qui se mettent sur leur 31. Elle a bien en fait vêtements sexy. Si vous êtes chrétien et que vous voulez devenir célèbre, c'est à ce niveau-là que tout va s'arrêter pour vous. Parce que Dieu ne veut pas voir des personnes s'habiller de façon sexy. Dieu, il est contraire. Il n'aime pas du tout ça, ce mode de vie-là. Il ne l'aime pas. Hein? Quoi? Sérieux? Il ne l'aime pas? Mais pourquoi? Regardez encore. Regardez. Quand on est riche, on peut tout s'offrir. Je dis bien tout. Et regardez là. On peut clairement voir encore que cette personne est ici. Elle cherche à monter dans sa voiture. En même temps, on peut voir une autre personne qui est ici, cette fille qu'elle a là. Peut-être que c'est un admirateur, c'est une admiratrice ou une fan. Waouh! Et elle cherche tout simplement à monter dans sa voiture. Waouh! Et elle a d'autres voitures à part ça. De toute façon, elle est riche, elle a de l'argent, elle peut s'offrir tout ce qu'elle fait. Quand on va plus loin, on peut voir également qu'ici, qu'elle est tellement riche qu'elle se fait ouvrir la portière de sa voiture. On lui ouvre tout simplement la portière de sa voiture et elle peut descendre carrément. Ça a l'air génial, hein? Qui n'aimerait pas vivre comme elle? Qui n'aimerait pas? Ah là 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 là! Partout où tu passes, on te prend en photo. Même quand tu descends de ta voiture, il y a un tapis rouge qui t'attend. N'est-ce pas ça la vie des grands? Ah mes frères et sœurs, ne vous fiez pas aux apparences. Il y a deux choses qui se cachent derrière tout ça. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Mais pourquoi pourquoi a-t-elle ouvert tout simplement ça? J'ai l'impression qu'elle veut nous montrer quelque chose. Ou elle veut paraître sexy. Mais pourquoi cette personne veut-elle paraître plus sexy que sexy? Et pourquoi s'est-elle colorée les yeux? Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suppose que c'est leur mode de vie. Chez eux, il faut forcément être sexy, sensuel. Avoir de telles choses, il faut toujours être belle ou encore sur son 30. Voilà. Et quand on parle de richesse, on parle également de jet privé. Elle est célèbre, elle est tellement célèbre, elle qu'elle est riche, elle est en même temps riche et elle a le jet privé. Elle peut s'offrir tout ce qu'elle veut. Voilà. En même temps, elle peut s'habiller en pantalon ou encore comme un homme. Oh Dieu, il interdit cela. C'est là on voit que franchement, au fur et à mesure qu'on devient célèbre ou encore on essaie de vivre comme de telles personnes, ce qui se passe, c'est qu'on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. Ah, vous n'avez pas remarqué? Regardez la prochaine image. Qu'est-ce que c'est? C'est là que vous allez bien comprendre que tout ce que nous sommes en train de vous raconter, ce n'est pas de la blague. Mais pourquoi tire-t-elle ça? Oh, ne va pas loin, reste ici. Mais pourquoi tire-t-elle comme ça son vêtement vers le bas? C'est parce qu'il y a un problème. Elle a oublié peut-être, sans doute, elle a oublié que quand elle laisse abaisser, ou quand elle est sortie et qu'elle marcherait, cette jupe allait monter et qu'on risquait, c'est-à-dire le public, ses fans risquaient de voir tout ce qui est en dessous. Est-ce que vous voyez? C'est exactement ça. Et quand on regarde comme elle est habillée, c'est ça la sensualité. On va dire qu'elle est sexy. Waouh! On voit pratiquement même tout. De toutes les façons, c'est leur mode de vie. C'est comme ça, eux, ils s'habillent. C'est comme ça, ils s'habillent. Est-ce que Dieu apprécie ça? Mais bien sûr que non. Dieu, il est saint. Donc, si elle ne le sait pas que sa célébrité risque de l'envoyer quelque part dans un endroit impossible, il faut qu'elle se réveille. Il faut que tu te réveilles, ma soeur. Tu veux devenir riche, tu veux devenir riche et célèbre. Voici des choses quand même que tu dois faire pour rester au top de leur niveau. Quand on parle de rester au top de leur niveau, regardez cette image encore. On peut voir comme d'habitude qu'ils sont joyeux. Ils ont une manière de parler, ils ont une manière de s'évertir, ils ont une manière de marcher. Et ils sont sexy. Mais la plupart du temps, ces choses vont contre ce que tu veux. Mais il faut rester sur son 31.
on ne dit pas de ne pas bien t'habiller. Ou on ne dit pas de ne pas t'habiller, mais il faut t'habiller correctement. Ici, comme vous le voyez, ils sont habillés correctement, comme sur les 31. Et la plupart du temps, ces gens-là essaient de prendre en photo comme un selfie. Et c'est la même chose qui continue. Ah! Excusez-moi, mais quel est ce mode de vie là? On doit toujours se prendre un selfie quand on sort. Franchement, je sais pas comment ça se passe. Mais c'est ça la réalité. Voilà. On a des fans. On est connu. Waouh! Regardez encore ça. Et c'est la joie pour les fans aussi. Quand tu regardes ces images, je dis que mais waouh, il n'y a que de la joie, il n'y a que de la paix ou encore du bonheur. Il n'y a que du bonheur là-bas. Mais comment se fait-il que parfois on nous dit que ce n'est pas toujours la vie en rose? Regardez, là il est seul. Il n'y a personne à côté de lui. Sinon sa voiture qu'il aime. Ah! Maintenant dites-moi, voulez-vous devenir célèbre après avoir vu toutes ces images? Je pense que oui. Oui. Mais derrière ça se cache d'autres choses. Et la vidéo précédente en dit long sur le sujet. Pour devenir célèbre aujourd'hui, c'est simple, c'est pas aussi compliqué que ça. Tu peux signer un pacte avec le diable. Et c'est ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. On nous dit que le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. Et il lui a promis de devenir célèbre. Est-ce qu'il a accepté? Mais bien sûr que non. Parce que pour devenir célèbre à ce niveau, le diable a demandé de se prosterner devant lui. Le Seigneur Jésus-Christ a refusé de se prosterner devant le diable. Et là, c'est grave. Nous avons vu plein d'images ici. On a vu que du bonheur sur le visage. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on pactise avec le diable pour la célébrité, ce qui se passe, c'est qu'après, ça finit mal. Au départ, c'est beau. Mais après, ça finit mal. Ah! C'est ça la réalité. La célébrité. Au fur et à mesure qu'on devient célèbre, on se loigne de Dieu. Au fur et à mesure qu'on devient connu, on a tendance à se croire supérieur à tout le monde. L'orgueil augmente pour certains. D'autres se confient même en leur argent. En ce moment-là, ils ne pensent même plus à Dieu. Tout ce qui fait leur joie, c'est leurs admirateurs. Waouh, quelle image! Mais ce qui est sûr, c'est que, franchement, celui qui marche sur la vérité est détesté. Oui, il est détesté par tous. Quand tu marches sur le bon chemin, personne ne t'apprécie. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir célèbre. Le Seigneur Jésus-Christ, il était connu en son temps. Tout simplement parce que on le voyait comme un imposteur. On le voyait comme une personne avec de mauvaises doctrines, une mauvaise éducation. Or, il était de la vérité. La célébrité peut paraître très jolie, très extraordinaire, mais il y a aussi d'autres choses que vous ne savez pas sur cette histoire, que vous pouvez découvrir dans la vidéo précédente. Franchement, ce que vous allez entendre là-bas, ça va vous faire oublier toutes ces belles choses que nous venons de vous montrer. Franchement, vous serez surpris, et même plus surpris que surpris. Regardez la vidéo précédente pour en savoir plus. Ça va être chaud. Suivre, n'en serez pas. Abonnez-vous maintenant. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Inscribable. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, n'est pas manquer tout simplement nos prochaines
vidéo. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est tout, toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Wow!